quelle heure? 1h15. Ok, merci. Tu m'as pas réveillé juste pour me demander l'heure, j'espère? Ben non, voyons, non, Marlo, j'ai bien plus de considération que ça pour toi. Ben. T'es réveillé, là? Ben, je voulais savoir s'il y avait quelque chose de bon dans le frigidaire. Mais pourquoi est-il urgent de savoir s'il y a quelque chose dans le frigidaire à 1h du matin? Ben, parce que j'ai faim, cette affaire. Hey, vraiment, Hector, es-tu obligé de me réveiller quand tu t'endors pas? Je m'endors pas, c'est ça le problème. Je m'endors sans bon sens. Seulement, j'ai faim. C'est pour ça que je veux savoir s'il y a quelque chose de bon dans le frigidaire. Je m'endors tellement, je veux pas aller là pour rien, moi. Ben, sais-tu, rendors-toi donc, puis t'auras plus faim. Non, c'est pas capable. C'est ça l'affaire, c'est la faim qui m'a réveillé, moi. Non, non, impossible. Dis-moi pas impossible. Je le sais, c'est moi qui ai faim, c'est moi qui m'endors, c'est moi qui fais tout. Impossible, pareil. Tout le monde le sait qui dort-il. Bonsoir. Hector, es-tu obligé de faire autant de bruit que ça juste pour un petit lunch? Ah! Au secours! Au secours! Au secours, Hector! Hector! Mon Dieu! Mon Dieu, monsieur Potvin! Qu'est-ce qui est arrivé? En tout cas, on peut dire qu'on a eu un samedi soir mouvementé. Hein? Voulez-vous du beurre sur vos toasts, monsieur Potvin? Je pourrais vous le noircir. Ça irait avec votre œil. Si vous voulez.
Hey, maman, là, c'est vraiment pas le temps de faire des farces. Après ce que M. Potvin vient de passer hier soir... Écoute, c'est arrivé, c'est arrivé. Il vaut mieux en rire que d'en pleurer, hein? Oh, non, j'ai plein de raisons. Moi, c'était un petit incident sans importance. Il y a rien, là. Oh. Comment fais-tu tes œufs, toi, Bertrand? Ah, moi, je prendrais un œuf et un œil poché. Non, un œuf poché. Mais vous êtes pas drôles, tous les deux. Ça laisse des traces psychologiques, ça. Ben, des fois, le monde est nerveux pour un an. Exagère pas, Biello. Des attaques de même, il y en a de même tous les jours dans le journal. Ça change rien, ça. La police l'a dit hier soir. Ben, s'il fallait voir tout ce que la police dit. Non, non, inquiète pas pour ça. C'est tout oublié. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Hein? C'est quoi? Hein? C'est le timer de la cuisinière. Ben, je retire dans les timers, Esther. Mais non, c'est la minuterie du poire. Excusez-moi, je l'avais oublié hier soir. Je voulais pas vous faire peur. Non, ben, j'ai pas eu peur. C'est pas peur. J'ai été surpris. C'est tout. Vous disiez donc, M. Potvin, que c'était tout oublié, ça. Non, disons que c'est pas oublié. Bon, mais c'est pas important. Qu'est-ce que tu veux? Il y avait un mastodonte devant moi. Bon, ben, puis il y a 5 coups de poing, ça. C'est juste à cause de ma mémoire. Mais moi. Ah oui. J'ai oublié de me pencher. Comment maman est rouge ce matin? Et tu oublierais de me faire des niaises et des mains demain matin? Hein? Excusez-moi, j'ai plus faim. Grand-maman, je pense que M. Potvin a un choc nerveux à retardement. Attends, je l'ai pas fait exprès! Mais non, trouvez quelque chose de mieux que ça, grand-maman! Voyons, Biello, lâche tes aides d'entraînement. Il y a assez du croque-mort en bas, hein? T'as-tu déjà reçu un coup de poing sur la gueule, toi, papa? Pierrot, sois poli avec ton père! Charlie pas, Biello! J'en ai déjà reçu! Ben ça, ça m'étonne pas. C'est bien simple, mais là, j'ai peur. Comprends-tu? J'ai jamais eu peur de ma vie, mais là, j'ai peur. Non, mais t'as vraiment peur? Je sais pas si j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur, mais je te fais une maudite belle imitation d'un gars qui a peur, par exemple. Voyons. Fais-t'en pas pour ça, Hector. Première fois de ma vie que je réalise que je suis pas capable de me défendre. Ben voyons, Hector, t'es encore capable. Mais qu'est-ce que tu veux? T'as frappé une armoire à glace. Ah non, 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 c'est l'armoire à glace qui m'a frappé. Oui. Mais moi, je vais rester là, là, comme un épais, sans grouiller. C'est normal. C'est bien que t'es au-dessus de ça, toi, les batailles de rue. Au-dessus? J'étais pas au-dessus, pas peur, j'étais en dessous, là. Mais t'aurais dû me voir quand j'étais jeune, toi. Je te jure, avec mes 5 pieds 4, je fais ça face à n'importe quel gros jambon, hein. Aujourd'hui, avec mes 5 pieds 3, ce que je peux faire de 20 jambons, c'est de le manger. Tu penses pas que t'exagères? Non. Tu m'aimes-tu pareil, Marie-Rose? Mais pourquoi pareil? Mais oui, m'aimes-tu pareil, même si je suis plus capable de te protéger. Mais voyons, arrête de parler de mal. T'as vu-tu, on va aller prendre une marche. Ça va nous changer les idées. Une marche dehors, ça? Mais évidemment, une marche, c'est dehors. Oh, là, ça me tente pas tellement, là. Ben voyons, Hector, t'as toujours adoré ça, prendre des marches. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, envoie-le, dis-le. Ben, mais c'est un coup qu'on sort dehors, puis on tombe face à face avec le voleur, hein? Rien que d'y penser, j'ai les jambes molles, c'est bien simple. Ben voyons, t'as une chance sur 1000. Ouais, chanceux comme je suis, il m'a tombé dessus, tu sais ça. Va être la première loterie que je vais gagner, ça. Ben là, tu niaises. Arrête de t'en faire. C'est bien que la police va l'arrêter. Si ça arrive, ça va être la deuxième loterie que je vais gagner. Tu vas aller au poste de police, tu vas l'identifier, tu vas aller en cour, puis grâce à ton témoignage, tu vas l'envoyer en prison. Ah oh, ouais, ben, 2 mois. Écoute donc, Hector, t'es pas pour avoir peur le restant de ta vie. T'es solide comme un roc, tiens. Et mon doux Seigneur. Veux-tu genre te dire, moi, ce qui t'arrive? Ouais, quoi? Ouais. T'es aussi solide qu'avant. T'es en forme comme un homme de 50 ans. Seulement, t'as un gros défaut. T'es distrait. T'as oublié de t'en servir de ta force. Tu vois? Mais voyons donc. Il a dû te surprendre par en arrière. Remarque, c'est vrai qu'il était pas vraiment face à face, hein? Il était bien un peu. Bon, tu vois, tu te serais pas laissé accrocher de face, hein? T'es pas gros, mais t'es vite. Sais-tu que t'as raison, toi, dans le fond? J'ai peur pour rien, moi. Hein? On va y aller prendre la marche. Bon.
Parce que s'il y a quelqu'un qui le sait que t'es vite, c'est moi, hein? Seulement, fais attention à ce que tu fais avec tes yeux. Mes yeux? Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Essaie d'avoir l'air moins autoritaire. Tu fais peur au monde. Ouais. Mais t'es sûr, là, que t'as pas peur de venir prendre une marche avec moi? Oh, ben, pas du tout! Hein? Toi? Ben non, ouais, oh, non! Et que je suis donc en sécurité avec toi. Pierrot, viendrais-tu avec nous autres prendre une marche? C'est parce que j'ai une partie de hockey. Si on allait prendre une marche à sa partie de hockey... Dû accepter de changer toutes les serrures de la maison comme Hector te l'avait demandé. Commence pas ça. C'est pas parce qu'on a eu un petit vol dans la maison qu'il faut devenir fou. C'est vrai qu'il nous faudrait peut-être des meilleurs cadenas. Ils disent assez à la télévision qu'il faut pas inviter les voleurs. T'invites bien ton frère. C'est ça, c'est ça. Ris de moi, ris de Marie-Rose, ris de tout le monde. Un jour, tu verras, là, tu pleureras. Je pleurerai pourquoi? Ben, un jour, c'est pas un voleur qui va venir, c'est un violeur. Si jamais un violeur rentre ici, c'est parce qu'il sera trompé d'adresse. Ben, rien que pour ça, là, tu vas aller changer toutes les serrures de la maison. C'est pas seulement Hector et Marie-Rose qui ont peur. Moi aussi, j'ai peur. Ben, je compte sur toi pour vous protéger tous les quatre ensemble. Qui c'est ça, la quatrième? Fouille-moi. Je le sais, ce que t'as voulu dire par la quatrième. Tu veux dire que j'en vaux deux, hein? J'appelle pas de violence. Je voulais dire l'enfant. Ah, oh, pas ça que j'avais compris. Excuse-moi. Hey, je vous dis que ça a été toute une game. Hey, deux batailles en première période, quatre en deuxième, puis la mêlée générale en troisième. J'espère que t'en as gagné au moins une. Ah oui, alors, on a gagné toutes les batailles. Hey, les autres emmenaient pas large en troisième période, ça fait que on a gagné la game facilement. Comme dans la vie! Quoi? Bon, laisse faire, Pierrot, elle connaît rien au sport. Allô! Allô, le monde! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oh. Hector a pu pas. Si vous avez acheté des nouveaux cadenas, c'est non! Pas de cadenas! Monsieur Potvin prend des cours de karaté. Pas de cours de karaté. À quoi ça servirait? Ça sert à rien d'avoir de la corne au bout de la maillotche s'il y a de l'arthrite dans le manche. Vous avez engagé un beau Pinkerton, hein? Pas mieux que ça. Mesdames et messieurs, Hector Potvin et son copain Bill. Tout le monde, du calme. Voyons donc, Bill, c'est un chien dressé, ça. Vous avez acheté un chien dressé? On l'a loué, jusqu'à temps qu'on ait plus peur. C'est un chien, ça. Moi, je pensais que c'était un poney. À bien y penser, M. Potvin, je pourrais peut-être changer les serrures dans ma maison. Vous pouvez les garder, vos serrures, savez-vous? Moi, avec Bill, là, je suis pas barré. Mais vous voulez toujours bien pas qu'on garde une affaire pareille dans la maison? Ah, ben, inquiète-toi pas, il va te garder tout ça. Mais oui, voyons donc, mais Bill, c'est pas un chien dangereux, ça. Il est doux comme un agneau. Tiens, venez le flatter. Ayez pas peur, venez le flatter. Tiens. Beau chien! Venez le flatter. Il est beau. Beau chien, beau chien. Beau chien, beau. Hein? Il est beau, chien. Il devient mauvais, là, seulement quand on dit le mot qui est son signal pour attaquer. Autrement dit, là, pour que tout se passe bien, il faut pas dire le mot... Hector. Mais je l'ai pas dit. Il faut pas dire le mot « check ». Hector! J'ai pas peur, je vous l'ai dit. Pour que tout se passe bien, faut juste pas dire le mot... Hector. Passez-vous deux secondes
que je vais garder une bête féroce pareille dans la maison? Mais voyons, c'est pas une bête féroce. Faut juste pas dire le mot. Pierrot! Faut pas dire le mot, Pierrot! Dehors, la grande jument! Dehors! Hey, attention, Bertrand, là. J'ai le petit mot sur le bord des lèvres. Oh, OK, OK, OK! Jusqu'à temps que vous ayez plus peur, on va le garder. Mais seulement la nuit! Pour le jour, parquez-le quelque part, votre éléphant! Hey, tu sais que Bill aime pas ça que tu le traites d'éléphant, Bertrand, hein? Non, mais d'un autre côté, Bertrand a raison. On peut toujours bien pas le mettre dans le garde-robe. Non. On va le mettre dans le cabanon. Ah! Viens-t'en, mon Bill. Viens-t'en. Viens-t'en. Viens-t'en, mon Bill. Viens-t'en. Une belle petite maison juste pour toi. Viens. Bon! Puis, t'es senti en sécurité maintenant? Ça va pas mal mieux. Je commence à reprendre goût à vie, là. Hey, si on allait faire un dernier bonhomme de neige avant qu'elle soit toute fondue. Oui, oui, oui. Ah, ouais. Comprends-la, papa. Ils ont peur. Ça leur prend un chien. Moi, ça me prend un chien pour avoir peur. Bon, ben, il est 5 heures, c'est le temps de faire le souper. Sans compter que j'ai jamais aimé ça, les chiens. Je les comprends, moi, les chiens. Comment ça? Je travaille comme un chien. Combien le petit chien dans la vitrine. Ouf, ouf. Ce beau petit chien, jaune et blanc, ouf, 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 ouf. Combien ce petit chien dans la vitrine, ouf, ouf. Il me regarde en frétillant. Je dois m'en aller en Italie, là. Ouf, ouf, ouf. T'as-tu reçu des téléphones l'après-midi, père? Oui, un de tes professeurs. Ah? Ça devait être un étranger, il avait un drôle d'accent. Ah oui, oui, c'était un tchèque. Chien à boire, papa! Check avant que les voisins se mêlent! Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Marche-t'en dans le cabanon tout de suite! Oh, tu veux pas obéir, hein? Ben, tchac tes claques! Oh! Hey, qu'est-ce que tu fais là, Bertrand? Vous autres, je vous dois un chien de machine. Visite ça! Comment est-ce que t'aimes ça, la terreur? Je vous en supplie, retenez-le. Ah, ben, si tu veux, je sais pas, ça. Ça va dépendre de... J'hésite un peu, ça va dépendre si t'es fin, bien fin, 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 là. Oui, oui. Oui, oui. Mais tu vas commencer d'abord par me rapporter la coutellerie. Oui, oui. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe. Hi, nous, dans un sec. Puis à part de ça, tu vas me rapporter le stylo en or de mon rang. Tout, je vous remets tout. C'est ça. Puis à part de ça, tu vas te donner un coup de poing d'en face à ta porte. Comprends-tu? Quoi? Je dis que tu vas te donner toi-même un coup de poing d'en face à ta force. Sans ça? Ah, mon Dieu, que ça fait du bien, ça, que ça fait du bien. Beau chien, beau chien. Quel beau chien. Le voulez-vous? Il est à vous. Ah, merci. Une minute. Ben quoi? Vous avez plus peur? Le voleur est arrêté. Ouais, mais moi, je l'ai payé 2 mois d'avant, frère, là. Vous inquiétez pas, je vais vous faire un chèque. Viens, t'en Marie-Rose, là, chez moi! Ah!
fini, là, la peur, Hector? Ouais, complètement fini. On dirait que d'avoir pris le voleur moi-même, là, ben, avec l'aide de Bill, tu sais. Mais voyons, Bill n'a rien à voir là-dedans. C'est toi. Cette fois-ci, t'as pas été pris par surprise. Puis t'as tellement l'air autoritaire. T'es un amour, Marie-Rose, mais tu sais, à notre âge, y a pas grand-chose qu'on peut faire contre la violence. À 70 ans et plus, tout ce qu'on peut faire contre la violence, c'est d'oublier qu'elle existe. Oh, ben t'inquiète pas. Moi, j'ai de la pratique, hein, je suis une femme. Mmh. Ça fait 70 ans que j'oublie qu'elle existe. T'es-tu déjà fait violenter? Non, jamais. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai su que ça pouvait arriver. Mais on n'en fait plus, là! On n'en fait plus, on oublie ça, la violence. Bon. Mais tu sais, nous autres encore, c'est pas si pire, hein? Mais pense aux vieux qui vivent tout seuls. Pense à jamais qu'un jour, je serai content de vivre chez Bertrand. Thank you.